we are inviting you to come back to your roots. Together, let's build Pelakwa Christian Center to become the church you've always wanted. Troisièmement, la campagne de restauration. Il y a de nombreux de nos frères et sœurs, croyants et non-croyants, qui cessent de fréquenter les églises haïtiennes locales pour diverses raisons. Ils restent dans la communauté, mais n'appartiennent à aucune église. Ils assistent souvent à des activités religieuses de différentes congrégations. Néanmoins, ils ne sont membres d'aucune église, en raison de leur mauvaise expérience, ou simplement parce qu'ils ont perdu confiance dans le leadership des églises locales. Si vous êtes quelqu'un qui veut restaurer votre foi, dans un leadership qui comprend vos besoins, le centre chrétien Pied-la-Croix est l'église qu'il vous faut. Nous étions tous comme vous, perdus entre notre désir de servir notre communauté et la déception de ne pas en avoir eu l'occasion. Nous avons souffert, mais nous avons cru en notre besoin d'être dans une assemblée. Tout espoir n'est pas perdu. Dieu ferait toujours un chemin pour son peuple. Nous avons besoin les uns des autres pour former une famille de saints qui se soutiennent spirituellement et socialement. Nous avons besoin de l'expérience de chacun pour devenir le meilleur de nous-mêmes, tout en servant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une famille qui comprend la valeur de chacun de nos membres. Notre leadership est équipé spirituellement et avec suffisamment de connaissances et d'amour pour se soutenir mutuellement avec respect et soin tout en portant la parole de Dieu partout. Venez à nous. Le centre chrétien Pied-la-Croix a été construit pour vous. Venez et faites-en l'église dont vous avez toujours rêvé. Third, campaign restore. There are numerous Haitians, believers and non-believers, who stop attending local Haitian churches for several reasons. They stay in the community, but they don't belong to any church, even though they often attend religious activities of different congregations. Because of their bad experience or simply because they have lost faith in the local church leadership, they are not members of any church. If you are one who wants to restore your faith, in a leadership who understands your needs, Pelakwa Christian Center is the church for you. We were all like you, lost between our desire to serve our community and the deception of not given that chance. We suffered, but we believed in our need to be in an assembly. All hope is not lost. God always finds a way for His people. We need each other to form a family of saints to carry one another spiritually and socially. We need each other's experience to become the best of ourselves, while serving our Lord Jesus Christ. We are a family who understands the value of each of our members. Our leadership is equipped spiritually and with enough knowledge and love to support each other with respect and care while carrying the Word of God everywhere. Come to us. Pelakwa Christian Center was built for you. Come and make it the church you've always dreamed of. Merci Jésus, Amen. Tu es avec nous et nous connaissons nous contents et nous connaissons nous plus contents à l'heure comme Femeni et présentation mais nous allons parler de lui à nous gagner un monde pour nous saluer en bas à bon commencer à mon fin de dernier et testament Haïti ou fin de dernier et pour une salutation où est l'image où est belle bagarre fait où est photo pareil nous saluer testament par nous et officiel nous élève pour Nazareth. Amen, amen. Oui, toute gloire pour mon Dieu, que mon Dieu continue de supporter nous. Un gros bagage ça et pour toute une génération ça parce que génération ça a un pile de défis pour lever, un pile de défis pour lever et nous pas juste passer comme ça. Et tant qu'on livre
dans le livre et Nouvelle Alliance, Théoésie, que nous avons ce jasmin qu'on très bien connaît par cœur devant derrière. Et que bah, j'en prends le terme, c'est le fonctionnalisme. Nous pas doué mourir inutile. Il faut nous quitter un map pour montrer que nous avons vivre. Il faut map aller plus que un building, il faut plus que instrument, il faut plus que musique, et faut plus qu'on bagaille que moun ka wè. Mais faut ça moun pa ka wè. Avec des soffes nan moun, soffes nan vie moun. Moun nous changer direction yo, pays ak pour l'autre direction, communauté yo pour l'autre direction. On bagaille que cieux a pour les yeux a vivre li pou pa ka toucher. Et puis même les l'homme pas comme ça, mais la vie comme ça. La vie comme c'est ou même qui quitte Marco avec des sous pas de vivre. C'est pas comme ça Haïti taillé. Sous pas de vivre à la tête taillé, sous pas de vivre. Ça veut dire son bagage c'est il n'archive le temps, il n'archive la vie, il n'archive bon Dieu. Même les pas sous yeux les hommes, il pas n'archive les hommes. Donc l'autre travail pour hauteur ça, l'autre ça pour profondeur ça, pour résilier pourtant des tonneaux vides qui fabriquent. Et puis qu'a passé pour gros superstar, il y a passé à tout respect. Et puis ou même en silence soit construit base toute une société. Et puis qu'on y a là ou même ou anonyme, faut accepter ça parce que les vini dans bagaille là tout. Et puis dans moment opportun, la vie a tiré revanche. La vie toujours tire revanche. Donc ça fait nous tous et qui là captenez définitivement. Nous supposons qu'on est que faut que nous fassions bagaille, c'est pour ça qu'il y a la croix. Avant nous prendre la dernière partie, ça, que vous connaissez pas, c'est la vie de son avec lui. Donc, nous gagnons Frère James Taylor Argan. Nous comptons qu'il y a là. Merci en pile. Et bon, ce Jasper lui-même, bon, il va mener ça lui-même. Il va mener ça lui-même. Et parce que depuis le commencement, sous mon appli, pour regarder live là, il y a deux bagailles qui étaient à Gadou, c'est trois mouns qui toujours présenté chez moi. C'est Jasmine en premier, moi-même en deuxième, et Pasteur Davidson, laissez pas, dernier parti. Le dernier parti, c'est moi en deuxième. Et lui en premier. Donc, Bessiel, là, ça va être bon. Bessiel, il m'aime tellement. Il était dans le computer, il m'aime tant de logiciel, la montée même. Il était appelé, oh, mais lui, t'es oui. Mais là, ça, c'est pas fou, c'est pour sortir. C'est mal, être vraiment mal, mal, tout le là. C'est un mal, être mal débarqué. Et le 8 va courir descendre dans le studio. Oui. Nous gagnons un nouveau monde. Et pour nous saluer, Ismaël Paul Polimi. Bon Dieu béni. Merci en pile pour et le fait qu'on réagit. Continue à réagir avec idées. Réagir avec des pensées aussi. Nous gagnons. Oh, Pasteur Lionel Gabriel. Pasteur Lionel Gabriel, qui c'est Pasteur l'église Chama. Et dans zone Apapka et Orlando, c'est dans Panou, et depuis dans Ottawa, et nous ensemble, et alors, comme nous Ottawa comme suivre là, oui, un bâtisseur, un fondateur et bâtisseur de Pierre-Lacroix, c'est Jules Pierre-Louis, frère Jules Pierre-Louis, et pasteur Lionel Gabriel, et il branché, et puis il écrit, donc nous te connaissons ensemble depuis avant, donc ça vraiment fait plaisir. Merci un pile, pasteur Lionel. Et nous comptons nous ça pour Dieu à faire avec Chama. Nous avons bon Dieu à voler à l'église là. Et dans tout sens, nous comptons en pile. Et nous gagnons et clients d'été. Alors nous ne connaissons si. Et par contre, nous la donne. Donc les clients d'été, c'est nos compagnons. Merci en pile. Et nous saluons. Et puis nous disons merci pour l'apport qu'on a déjà porté avec un commentaire qui est très positif. Nous gagnons bagaille nouveau monde que nous beaucoup dit non et donc Judné oui nous beaucoup ara nous te gagne Judné et ça nous qui te salue nous bon Dieu béni ou nous que c'est Linda Castor et fondateur Nazareth fondateur Pierre Lacroix capitaine exactement de Montréal nous saluons. Voilà